On est très très bien là, ça sent le top 1 tout ça. Moi je dis ça, je dis rien les gars. Bonjour tout le monde, c'est Farce Attack. Comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo et voici la tant attendue facecam. Chose promise, chose due, vous m'avez explosé la barre de pouces bleus sur la vidéo précédente et du coup voici la facecam. Alors vous emballez pas, c'est normal si vous êtes en train de me voir flou à l'heure actuelle. C'est le concept de la vidéo. En fait, je vais aller en showdown sur Brawl Stars avec Emery qu'on a débloqué. Et à chaque défaite, la caméra deviendra un petit peu moins floue. Et on va dire, allez, qu'à deux défaites max, eh ben, il y a tout simplement plus d'effet flou. Donc voilà. Et puis bien évidemment, je finis pas cette vidéo sans avoir fait les deux défaites. Donc écoutez, restez jusqu'au bout, ça va être épique. Et puis les gars, je voulais vraiment vous remercier pour tout votre soutien, tous vos messages, tous vos pouces bleus sur la vidéo précédente, la vidéo retour, ça fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y réponds. Et puis à 3000 pouces bleus sur cette vidéo, je vous refais un pack opening de folie et puis on est parti sans plus tarder, on est sur le jeu. Et bien évidemment à chaque défaite je vais ouvrir une méga boîte aussi ou acheter un truc dans le shop. Donc on est parti sur le jeu, on a des nouveaux événements, on a du showdown, on a quoi, on a du ciblage. Je pense qu'on va aller sur cette map, de toute façon on n'a pas le choix. On va aller voir vite fait le petit magasin. Ok, il y a du Power Star, ça on va acheter vite fait. Des points de pourvoir pour Emery, ça fait plaisir. Oh là là, il y a le Spike Robot. Celui que j'aime pas trop, mais il y a le Léon Squall. Celui-là, je l'adore. Allez, on est parti pour le premier match. Let's go. Alors, donc je suis à 200 trophées, ça devrait être assez facile. Mais on sait jamais, cette map, je sais pas si elle est top pour Emery. En tout cas, on va récupérer ces deux petites boîtes. Voilà, ça fait plaisir. Ok. Allez, allez, on se balade. Là, on est à deux. Oh là, ça se fight. Ça se fight comme jamais. Attends, pas la première défaite d'entrée de jeu, quand même. Faudrait que j'ai mon ulti. Ok, ça, c'est parfait pour nous. Là, on a un petit tic. On va aller le voir. Salut, viens par là, mon petit tic. Je suis à 4, donc là, je suis plutôt pas mal, hein, pour le moment, les gars. Il reste 7 brawlers. J'ai la pression. J'ai la pression de défaite et c'est plus d'effet flou sur la caméra. Attendez, là, je suis prêt en sandwich. C'est pas hyper bon, ça. Il y a un petit spike en bas qui est un peu relou. Par contre, les gars, ça va, les teams, là, tranquille. Ok, c'est bon. Le spike, il s'est fait des pop. On va mettre notre pouvoir hop ici. Parfait. Le Poco qui nous attaque. Le Poco qui nous attaque. Non! Il m'a tué. Première défaite. Oh non, c'est pas... C'est pas possible. Premier match, première défaite, il m'a dépop le Poco. Oh là là, j'étais pas prêt. Bon, ça c'est le problème de cette map. Bon, les gars, on va aller acheter des trucs dans le shop. Et puis, bien sûr, ça devient un peu moins flou à partir de maintenant. Ok, j'ai la pression là. J'ai la pression. Allez les gars, on est parti. Achat effectué. Première méga boîte. Let's go. Il nous faut un Star Power, s'il vous plaît. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Objet restant 1. Point de pouvoir, on a... Du Emery, je peux avoir que ça de toute manière. Et on a des tickets, des gemmes. Choqué, déçu. Voilà pour cette première box. On repart en showdown. C'est parti. Cette fois-ci, il me reste plus qu'une vie. Donc, je vais essayer d'être quand même assez prudent. Ok. Alors, on a quoi? On a du Franck à côté de nous. Oh, lui, il a FK. Ou alors, il me bait. Ok, c'était un bait. On va aller le voir quand même. Viens par là, toi. Ok. L'auto-shoot, ça fait plaisir. Il n'y a pas de... Alors, cette map-là, je viens de la découvrir avec vous. Oh, regardez ce qu'il y a en bas, là. Ça, c'est pour nous. J'ai des petits problèmes de Wi-Fi. Ça fait plaisir, ça. Super. Oh, parfait, ça. Voilà. On ramasse. Il n'y a plus que 4 brawlers. Mais ça va hyper vite sur cette map, en fait. Ça va carrément hyper vite. Il y a des boîtes en bas. On va y aller. Je pense que je peux la gagner, celle-là, honnêtement. Honnêtement, je peux la gagner fort. Il faut aller vite prendre la petite canette, là. Et après, on est très, très bien. Franchement, on peut aller voir comme ça. Allez, viens par là, toi.
J'ai auto-shoot, super. Le Franck a 11. Ok, face à face, les gars. On va régène vite fait. Ok, ok, ok. Oh là là, c'était chaud, mais c'est passé. Victoire, les gars, victoire. Ça fait plaisir, plus 10 trophées. Alors là, on a quoi? On a des points de pouvoir. Des points de pouvoir. Je vais vite fait faire ces petites boîtes. Ok, tac, tac, tac. Comme ça, je vais voir. Je vais essayer d'améliorer Emery dans cette vidéo. On va voir ce que ça donne. Et on est reparti pour une game de survivants, de showdown, comme vous préférez. Allez, donc on a quoi? On a un Karl à côté. On a un Jean. Ben, on va aller prendre notre petite boîte. Hein. J'ai un petit peu des lags. C'est... Pourtant, j'ai un Wi-Fi de folie. Je ne sais pas si ça vous le fait, vous aussi, les gars. Mais des fois, c'est mieux. J'ai l'impression de jouer en 4G. C'est un petit peu bizarre. Ok, yep. Oh, oh. Il veut quoi, lui? Oh là là, je l'avais pas vu. Oh, le... Oh là là, il m'a fait peur. Et il m'a failli faire la facecam, lui. J'ai failli faire la facecam. Il veut quoi? Il veut quoi, Homer, là? Allez, viens par là, mon petit Homer. T'as voulu jouer. Voilà, hein. Tranquille. Le mec veut jouer Emery au corps à corps. Y a pas de souci, mon pote. Plus que 5 brawlers, ça va être chaud, les gars. Ah là là, c'est terrible, en fait. Cette map, pour moi, c'est terrible. Ok. Lui, il a voulu jouer aussi. Il a perdu. J'auto-shoot comme un ouf. Hein. Oh oh, il y a un Franck Vénère là. Par contre, il y en a encore un. Je sais pas où il est. Hein. Faut faire gaffe. Il doit être dans les buissons, les gars. Oh oh, lui, il a pris une boisson. Il va être vénère. Il va être vénère, le mec. Allez, nous aussi, on prend la petite boisson. Qui me mène nulle part. Hein. Les gars, je vais rester proche des boissons. Hein, c'est la meilleure solution. Ok. Qui veut se battre? Ok, c'est parfait. Hop. Et normalement, ça va être le top 1, ça. Ouais, allez. Ok, nice. Le petit top 1, ça fait plaisir. Toujours pas de facecam. Yes, plus 10. On repousse l'échéance, les gars. Allez, on est parti. Allez, on donne tout, les gars. On donne tout à cette game. On a une PAM, on a un arcade à côté. On va aller voir le petit arcade, je pense. Bon, allez, on auto-shoot. La PAM dégage. La PAM, clairement, me saoule pas. Ok. On va aller prendre ces petites boîtes. Gentiment, il y a un petit arcade. Vas-y, tire, mon pote. Oh là là, pas d'alliance, pas d'alliance comme ça. J'aime pas ça, là, ce qui se profile. Allez, le arcade, il est pour moi. La PAM, elle veut faire une alliance. Non. C'est toi, j'ai pas la trahir. Hein. Ok, voilà. On est à 5, très bien. Là, maintenant, faut jouer les boissons, les gars. Oh, il y avait la petite Nita, ici. J'ai pas utilisé mon ulti pour le moment. Ok, la Nita, elle est vénère, là. Heureusement que j'ai pas pris des shoots. Oh, oh. Oh, oh. Les gars, elle me one-shot, je pense, si je prends un shoot, là. Au corps à corps, hein. Ou two-shot, mais c'est ultra violent. Y a pas une petite boisson qui veut pop chez moi, là? Ah, parfait. Parfait, ça. Allez, on y va. On la prend. Et on met l'ulti. C'est parti. C'est parti. Et là, on se déplace. Allez, vite. Il faut trouver quelqu'un. Oui. Yes. Parfait. Quelqu'un d'autre, peut-être? Non. Ok, donc il y a une Nita ici. Et l'autre brawler. Ok, c'est bon. On l'a eu malgré la boisson. Parfait. On est très très bien là, ça sent le top 1 tout ça. Moi je dis ça, je dis rien les gars. Allez, je parie, il est là. Voilà, c'était sûr. La petite Rosa là. Elle est où la petite Rosa? Attention quand même de pas aller trop corps à corps avec elle. Attention, attention. Ok. Elle résiste bien.
Là, elle a l'avantage en fait, encore à corps. Comment j'ai perdu ça? J'ai choc de fou, les gars. Donc, du coup, il n'y a plus de flou. Me voici, me voilà. Et puis, regardez le setup qu'il y a derrière moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me bombarder la barre de pouces bleus si vous voulez que je fasse une vidéo setup. Ça pourrait être vraiment cool. Donc, j'ai fait un petit décor sympathique avec mon logo. Il y a également... Il est justement ici. Et puis voilà. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ah non, on doit ouvrir une box. C'est vrai qu'on doit ouvrir une box avant. Donc, on va y aller. On va aller dans le petit magasin. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on achète un pouvoir star? Grand jeté de Karl. Karl lance sa pioche 13% plus rapidement. Elle vole et revient plus vite. Allez, on l'achète. C'est parti. Ça part sur un petit pouvoir star. Ça fait plaisir. Gant épineux, c'est quoi ça? Lorsqu'elle utilise son super, les coups de poing de Rosa infligent 220 points de dégâts supplémentaires. Eh bien écoutez, j'aime bien Rosa, elle m'a défoncé à la game d'avant, on l'achète. Il n'y a pas de souci. Et puis on va se faire une méga boîte, une petite méga boîte, c'est parti. Ok, on a du Emric, est-ce qu'on va pouvoir le passer une pouvoir 9? C'est le cas, on va y aller directement. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que j'ai tous les brûleurs pouvoir 9 minimum. Ok, voilà, magnifique. Bon, je manque de petites pièces. En tout cas, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et puis moi, je vous fais de gros bisous, bye. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.